Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Québec, aujourd'hui au Québec, avec la magnifique Christine Michaud qui vient de m'interviewer sur, euh, sur son émission, ton émission qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux sur TVA Je suis tellement ravie de rencontrer d'autres déesses à travers le monde et de pouvoir <laughs> parler d'énergie, de magie, de spiritualité, de bonheur, qu'est-ce que ça fait du bien c'est vrai que ça fait du bien. Puis ça fait du bien de se retrouver. Puis j'ai l'impression que là, on est comme dans une, une phase où justement, on se rencontre, puis les liens se font plus facilement, rapidement. On dirait que je te connais depuis toujours. En fait, il y a des gens qui pensent qu'on est deux sœurs, finalement, oui, oui. Hein, depuis qu'on s'est rencontrés. Pas le même gabarit. Non, pas tout à fait. J'ai mon petit coussin. Hein? Je suis assise plus haute. <laughs> ah, même Chopin. Hey, on n'a pas présenté oui. Chopin. Je pense qu'il veut qu'on le présente. Donc Chopin Michaud, hein? c'est l'équivalent de mon garçon, qui est un ouais. perroquet. Peut-être qu'il va partir parce que ça me surprendrait qu'il. Oh là, il fait le beau garçon Je crois qu'il fait le voix, il va peut-être même ouvrir les ailes. Chopin. Chopin, est-ce que tu ouvres tes ailes Allez, pour les amis, les co-créateurs, les délicieux co-créateurs de Lilou, ouvre tes ailes. Et franchement, oh, il fait le clown. Ah oui, vraiment Il fait le clown et il reste. Bon, ben, tant mieux, ça te fait plus peur le micro. Bon. C'est bien. Alors, nous sommes ici chez toi, sur le magnifique lac Beauport. Il neige, il y a une tempête de neige, nous sommes en avril, et mais il neige. C'est normal, c'est ça. <laughs> Et peu importe. C'était pour te mettre plein la vue pour ta venue ici. C'était juste pour ça. Bon, en tout cas, vraiment génial. Je sais que tu as écrit plusieurs livres, que tu es conférencière, que tu es animatrice, et, et je suppose qu'à travers toutes ces années, tu as, il y a eu, tu as il eu, eu plein de changements dans ta vie, mmh. et, tu, et, et le bonheur, alors ça s'apprend parce que c'est quand même la ligne de conduite à travers mmh. toutes tes conférences, à travers tes, donc ça s'apprend. Ça s'apprend, oui, parce que je me dis si je suis partie d'où j'étais pour me rendre aujourd'hui à développer justement du bonheur, à trouver un peu le sens de ma vie, ma mission de vie aussi, parce que moi, là, je suis partie complètement sur la mauvaise traque dans la vie, là, si on peut dire ça comme ça. Je n'ai pas fait les choix que j'aurais dû faire. J'ai fait ça pour. J'avais le. Quand Oprah parlait du disease to please, là, moi j'étais vraiment comme ça, là, le, le vouloir plaire pour me faire aimer. Donc tout ce que je pouvais faire pour faire plaisir aux autres, c'était incroyable. Sans m'écouter, puis je pense qu'en plus, plus on fait ça. Plus on se perd. À un moment donné, on se coupe complètement de notre élan vital. On ne sait plus qui on est. On ne sait surtout pas qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette Terre. Alors, il y a eu un moment où ça a vraiment comme... J'ai chuté, si on peut dire, mais c'était extraordinaire. C'était un cadeau mal emballé de la vie qui m'a obligé à me poser les bonnes questions, puis à, à me réaligner d'une certaine façon. Mais surtout, c'est ça, c'est que je me dis, si j'étais si basse dans mon bonheur, justement, alors que je n'étais pas heureuse puis je ne me réalisais pas. Puis qu'aujourd'hui, j'ai pu faire ce chemin-là, bien, je me dis, si moi, j'étais capable de faire ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, ça, c'est sûr. Mmh. De là, mon idée que oui, le bonheur, ça s'apprend. C'est des étapes, c'est un processus, c'est un déclic, ça, dé, ça démarre comment en fait? Bien, ça, je pense que d'abord, c'est une prise de conscience. Un, une prise de conscience et un choix. Euh, J'ai un professeur, j'avais une religieuse comme professeur qui disait la prise de conscience est une porte ouverte vers le changement. Parce que tant qu'on ne prend pas conscience de quelque chose qu'on vit qui ne va pas, qui ne nous convient pas ou qu'on aura un changement effectué dans notre vie, bien. Si, si on le nie, si on est en mode survie, si on l'accepte, on se dit bah, c'est ça la vie, puis ça s'arrête là. ben on changera jamais rien. Fait que des fois, c'est pour ça que je pense que des personnes comme moi qui, moi j'avais tendance à vivre, là, tu à à allure, puis pas trop me poser de questions, puis quand ça allait pas, je me donnais un coup de pied dans le derrière, comme on dit, là, pour que ça avance. Mais c'est la mauvaise façon de faire parce que je, me, je, me ré, je ressentais pas mes émotions non plus. Je me coupais tout ça, j'étais beaucoup, beaucoup dans ma tête. J'ai étudié en droit, moi, j'ai fait mes, mes études de droit. Fait que Là, la fille qui veut réussir, là, mais pas réussir sa vie, le réussir dans la vie. Hein. Je n'avais pas compris le, la, la nuance à l'époque. Ouais, <laughs> pour, pour prendre une prise de conscience pour certaines personnes, ça correspond à quoi une vie qui n'est pas remplie de bonheur Bien, à l'époque, comme je te dis, moi, j'avais étudié en droit. J'avais laissé ça parce que j'avais compris que ce n'était pas, pas mon chemin, que c'était trop difficile, bien, que je n'aimais pas ça surtout. Après, je suis devenue représentante publicitaire dans un grand journal ici à Québec. Je vendais de la publicité. Ce que j'aimais là-dedans, c'était le contact avec les gens. Mais vendre de la pub, des fois, un peu sous pression, un peu pas mal, là, ça dépendait. Mais ça, ce n'était pas moi du tout. Donc, je m'éteignais à petit feu, vu que c'est ça qui a amené la prise de conscience à un moment donné de dire. Mmh. Des fois, c'est comme un. Euh, ça me fait penser au pro qui disait aussi, c'est comme un murmure. C'est juste, on a un feeling, il y a quelque chose qui nous dit, ah, c'est pas ça. Il me semble qu'il y a autre chose. Il y a plus que ça. Là. Ça se peut pas que la vie, ce soit ça. Que ça il me semble que je suis pas bien, je me couche le soir, puis je suis pas si satisfaite de ma journée. Ou des fois, tu te réveilles le matin. Ça, moi, ça me tentait pas vraiment de me lever nécessairement, puis j'avais pas le goût d'aller travailler, ou tout était lourd. Même des fois, quand je suis arrivée au moment où euh, j'ai fait une dépression, j'en ai, ai fait une dépression majeure. Ben au début de ma dépression, j'avais plus aucune énergie physique. J'allais dormir chez moi sur l'heure du midi parce que je n'étais pas capable de finir mes journées. Mais là, je me dis je dois être malade, je dois avoir une maladie physique là, pour être à ce point-là, fatiguée, mmh. ou où, où je revenais de travailler, puis je me faisais couler un bain, puis je pleurais pendant une demi-heure dans le bain. C'est tellement classique. Et même, et, et, et je me vois aussi encore à Chicago à certains moments où j'avais besoin de faire des, des siestes, alors que ça ne me correspond absolument pas. Maintenant que je suis dans mon élément, dans mon essence, on a de l'énergie à revendre. Hein? Ça, tout à fait, effectivement. Ça, ça change tout. Et ouais. puis c'est vraiment, tu parlais d'une prise de conscience, puis ça devient un état de conscience aussi qui est différent quand on se met à vivre selon... Ses ses aspirations selon son essence aussi moi aujourd'hui c'est ça c'est je ne c'est ma, ma voix ou ma façon de voir la vie puis d'enseigner aux autres aussi d'inspirer les gens qui m'entourent c'est de dire connectez-vous à ce que vous trouvez c'est quoi qui qui est vraiment l'îlot euh, qu'est-ce que as parce qu'on a tous des choses différentes des autres on est on est venu pour apporter quelque chose au monde notre participation à la co-création. Alors, je pense que c'est ça, si plus on va se connecter à ça. Puis après ça, il y a comme une espèce de processus de lâcher prise, de libération. Moi, je suis adepte du désencombrement, de, de, de laisser aller ce qui est trop lourd dans la vie. Moi, tous les tous les mois au moins, puis des fois c'est une fois par semaine. Mais au moins une fois par mois, je m'installe ici confortablement. petit verre de vin, des fois ça aide. Puis je me pose des questions, euh, les vraies questions. Je suis rendue où? Qu'est-ce qui est trop lourd présentement? Qu'est-ce qui me pèse là, dans ma vie? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas réglé ou qui est en train de prendre des proportions là, que je, ça ne sera pas bon pour moi? Puis là, je mets ça par écrit. Puis après ça, je me... Dans, juste des fois, juste de faire ça, même sans savoir qu'est-ce que je vais faire pour régler, mais ça se fait un peu tout seul par la suite. Oui, c'est... Mais comment, on, une fois qu'on a ça, après, qu'est-ce hum. qui se passe? Ben là, après, souvent... Mais ben moi, je crois beaucoup en la magie de la vie. Là, c'est mon nouveau dada. Là, je donne des conférences <laughs> ces temps-ci. J'appelle ça la divine magie de la vie. Parce que c'est une magie qui s'explique. Je, je donne souvent l'exemple d'un magicien qui fait des tours de magie. On est tous impressionnés. On est là comme on ne sait pas comment il fait, on pense que c'est vraiment de la, de la magie. Mais en même temps, si on interviewait le, le magicien puis qu'il nous avouait ses trucs, on comprendrait que tu fais ça comme ça, tu mets ça dans ta manche, ou je ne sais pas. C'est ça le truc. Mais la vie, c'est pareil. Ça nous paraît magique, puis c'est le fun que ça soit comme ça parce que c'est de l'émerveillement, puis ça nous fait vibrer, puis c'est parfait. Mais en même temps, tout s'explique. Si on interviewe, puis toi, tu en as tellement interviewé des gens, tu le sais. Chaque personne, tu lui demandes son cheminement. Chaque personne qui a réalisé des grandes choses ou qui s'est trouvé, qui s'est connecté à qui elle est vraiment, puis qui se réalise pleinement, ben on voit qu'il y a des choses qu'elle a fait dans sa vie, des pensées qu'elle a eu entretenues ou des choses qu'elle a faites, des inspirations, puis tout ça, qui l'ont menée où elle est aujourd'hui. Mais il n'y a pas une seule recette par contre. Ça je crois pas à ça. Tu sais le bonheur en cinq étapes faciles Pas sûr. Il euh, y, y a autant de recettes que d'individus et c'est ça qui est beau aussi. Hein? Exact. Tout à fait. Quels sont les autres outils que tu, tu conseilles pour, pour trouver ce bonheur, pour se reconnecter? Parce que je suppose que c'est aussi exprimer sa passion, exprimer son, son euh, uniqueness. Quoi. Oui, c'est vrai, vibrer. Tu sais, c'est beaucoup. J'ai une amie qui dit ça souvent, mon amie Sonia, qui dit euh, Est-ce que ça me fait vibrer? Des fois, on, on se demande On va-tu faire ça? Puis elle me dit la question qu'il faut se poser c'est est-ce que ça me fait vibrer c'est vrai puis je pense que c'est ça qu'il faut faire c'est comme de, de stimuler notre pulsion de vie en psychologie positive moi je suis très j'adore tout ce qui concerne la psychologie positive j'ai lu des tonnes de livres là-dessus assisté à des conférences aussi puis dans mes outils là dont tu parles oui il y a la psychologie positive qui m'aide beaucoup euh, la gratitude comment j'ai développé beaucoup de ça a commencé avec Sarah Ban Bretnack, qui, est, qui passait à Oprah à l'époque avec son livre l'abondance dans la simplicité puis là j'ai développé beaucoup de concepts par rapport à ça et après, après, ce qui est venu après de la psychologie positive, pendant que j'étudiais la psychologie positive, j'ai entendu parler du mindfulness, de la pleine conscience. Puis Ça, ça m'a allumé totalement parce que je suis une hyperactive finie, donc j'avais besoin de, de me calmer. Oui. Puis la pleine conscience, ça se traduit de manière très simple au quotidien. L'exemple que je peux vous donner, parce qu'on est, maintenant, on, on dirait qu'on est, on veut être partout à la fois, hein. tout va vite, on est connecté, on prend nos courriels, bon, peu importe. Puis, on n'est plus dans le moment présent, dans la... la la pure présence même de notre être. Est même, est être où les gens avec qui on est, on, tu, sais, tu vas voir des gens dans, dans le public des fois, puis on, est sur, on voit des gens sur leur téléphone qui se parlent plus ou presque. Alors, un exercice de pleine conscience, par exemple, ça peut être de dire, quand je me brosse les dents, je, on, vous remarquerez là comment des fois on se brosse les dents puis on pense à 50 millions d'affaires hein? à un moment donné on ne sait même plus où on est rendu dans notre bouche <laughs> mais, là, mais ça, moi quand je me brosse les dents maintenant en pleine conscience je me dis je me brosse les dents et je ne fais que me brosser les dents mais là mon dentiste est bien content parce que j'ai des plus belles dents mieux <laughs> brossées mais ça paraît simple comme ça mais c'est juste de dire quand je fais une activité euh, la vaisselle euh, je fais la cuisine, je suis avec quelqu'un mais je ne fais que ça. Puis des fois on pense que euh, si on est trop ancré dans une seule activité, on n'aura pas de temps pour. On se dit oh, mais là j'ai tellement d'autres choses à penser et à faire. Et c'est l'inverse parce que plus on revient au moment présent dans la pleine conscience, ben plus on, on est énergique, plus on a une capacité de travail puis de même notre esprit plus clair. Donc ce qu'on a à faire, on va le faire plus rapidement aussi. Tu sais, on va comprendre les choses plus facilement et tout. Ça change tout. Je voyais dans tes derniers livres que tu parles de plus en plus de, 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 de créer, enfin du moins, de, de créer avec le subtil aussi, hein, avec, euh, avec le monde de l'invisible. Quel est ton rapport à ça? Euh, il a toujours été très fort. Ça vient de ma grand-mère, euh, ma, grand... ma mamie Yvette, qui est décédée le 31 décembre 2012, qui, depuis que je suis toute petite, m'a enseigné comme dans la chanson de Céline Dion, à voir les miracles. Tu sais, il y a des petits miracles partout dans la vie. C'est merveilleux de ça. Elle m'a tout appris. Elle m'enseignait à parler aux anges quand j'étais petite, pis... Elle me faisait ça, elle me rendait ça comme une histoire tellement intéressante, puis elle m'amenait à l'église, mais elle me faisait, jamais dans le cadre, dans la norme, toujours en étant un petit peu plus ouverte et tout. Donc ça, j'ai toujours eu ça, mais j'ai longtemps eu peur d'en parler parce que je, des fois, si j'en parlais un petit peu, je sentais que j'étais jugée ou quoi que ce soit. Puis depuis euh, l'automne dernier, depuis que j'ai. Avant, j'étais chroniqueuse littéraire. J'ai fait ça pendant euh, 12 ans. J'ai fait une chronique littéraire à une émission de télé qui était très regardée ici au Québec. Salut, bonjour, week-end, à la radio et tout. Puis ça, ça s'est complètement arrêté. C'était pas mon choix, mais ça l'était, d'une certaine façon. Je pense que j'étais rendue là. Et ce que ça a fait, bizarrement, c'est que c'était très. Encore une fois, c'était plus dans un cadre assez serré. Le fait de faire des chroniques littéraires, euh, souvent dans les médias, ben, on me disait Fais attention, là, quand c'est trop spirituel, c'est un peu flyé, puis ça fait peur. Puis ça me tannait, évidemment, parce que moi, j'aime ça, puis je trouve que ça fait du bien, puis qu'on est assez intelligent pour prendre ce qui fait notre affaire, puis ce qui nous dépasse, ce qu'on trouve trop flyé, ben, on va passer à d'autres choses, ça s'arrête là. Mais c'est ça, petit à petit, sans m'en rendre compte, ça me nuisait. Et aujourd'hui, depuis que ça s'est terminé, ces chroniques-là, bien là, ça a fait Ah, là, je, je me laisse aller puis j'ai même développé quelque chose de spécial dans le sens où moi avant je m'en faisais beaucoup pour ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser. Pis on dirait que ça, c'est parti avec les chroniques littéraires. Là, je, je m'en fous davantage. J'ai juste le goût de m'éclater dans ce que j'aime, d'oser parler euh, de tout ce qui m'allume côté spiritualité, puis de parler des choses, des fois, qui sortent complètement de l'ordinaire, mais de les amener d'une manière simple, avec délicatesse, pour que chaque personne fasse son bout de chemin dans ces sujets-là aussi. C'est ça qui était fascinant de te voir interviewer hier, Bernard Weber. Euh, et merci, parce que je vais, vous allez voir une interview de Bernard Weber après Christine, grâce à Christine. Mon mon Dieu, mon Dieu. Mais ce qui était fascinant de te voir évoluer dans, dans ce cadre-là, de l'interviewer, d'être... Bon, il y avait ces grosses caméras télé-là, mais tu le faisais avec tellement de de délicatesse, de sérénité, c'est-à-dire que peut-être que tes petites pattes en dessous, comme oui. tu t'expliquais, tu, tu battais des... Moi j'ai toujours là comme tout le monde me dit oui, "Mais toi tu étais calme, tu pas l'air d'être te à stressé, à t'en faire avec rien. Non 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 non, non. Le, le petit canard au-dessus de l'eau là, il va bien, il a l'air tranquille, mais les pattes tu oui, Mais ce qui est fantastique, c'est que vous parliez avec Bernard donc de sujets quand même spirituels, de il y avait quand même et puis malgré ce que des producteurs ou ce que, ce que tout ce qui se passait autour, tu continuais ton, 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 avec cette ligne de conduite, cette et c'est ça qui est chouette, je pense, c'est quand on est vraiment ancré dans son dans son essence et on fait quelque chose qui nous plaît. Après, on laisse un peu le brouhaha et les choses et nous on continue. Ben c'est là le principe de pleine conscience. C'est qu'à un moment donné, si on est totalement en présence de l'autre personne, on oublie ce qui se passe autour complètement. C'est plus là de toute façon. Il y a juste ça qui compte. Puis c'est du quoi dans, de faire ça avec lui hier ou que ce soit avec lui ou avec d'autres que avec qui j'ai des entrevues. Je trouve ça tellement fascinant de voir à quel point les gens sont souvent plus ouverts premièrement qu'on pense. On leur ouvre une petite porte là, puis là, ouh, on a des surprises. Moi, à l'émission, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux De plus en plus, là récemment, je reçois des des, des artistes très connus au Québec, des vedettes qu'on appelle. Et qui tout d'un coup se mettent à parler de choses qu'ils ont jamais parlé avant, qui vont m'avouer qu'ils euh, ont déjà eu des expériences mystiques, euh, qui ont des, qui ont un côté un peu médium ou clairvoyant, euh, des choses comme ça, puis qui vont beaucoup vivre leur vie justement avec leurs ressenti, avec leur intuition. Puis là je me dis oh wow, il y a une ouverture qui se crée présentement. On a besoin d'entendre ça. On a besoin aussi de se faire dire c'est correct. Puis ça fait du bien. Puis on a tout le droit d'en parler sans avoir l'air euh, bizarre. Ou ici au Québec je peux commencer en France, mais on, on a tendance à catégoriser. On parle d'Oprah, on dit qu'elle est trop preacher, parce qu'elle euh, dit Dieu de temps en temps. Euh, quand on parle de, de livres de développement personnel, souvent on va entendre des journalistes ou des gens dire « Oui, mais ça, c'est des livres de psychopop, du bout des, des lèvres. Oui, mais euh, la psychopop, ça se peut-tu que ça nous fasse du bien aussi, que ça nous aide à avancer? Ou sinon, ah ben ça, c'est trop ésotérique. » Oui, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a de mal là-dedans? Moi, ça me fait du bien, l'ésotérisme. J'aime ça, j'aime ça, découvrir mmh. ça, puis je fais mon bout de chemin, je prends ce qui fait mon affaire. Puis comme on dit en québécois, j'écœure pas le peuple avec ça, dans le sens que je veux pas essayer de convaincre personne. Là. Je veux pas dire, ça, là, c'est la voie, là. Si vous avez à suivre ce chemin-là. Mais non, pas du tout. Mmh. Moi, je, ça fait partie de mon cheminement. Vous autres, ben, c'est vous autres qui décidez. Ouais, ouais, hum? C'est ça qui est agréable au Québec. On sent vraiment quand même une ouverture. En France aussi, les choses bougent énormément. Mais le Québec, il y, y, y a quand même quelque chose. Oui. Tu le ressens Oui, je le ressens. Puis je veux te dire de quoi Ici, est à, on est à Québec. Là. Il y a Montréal, qui est une grande ville. Québec, à deux heures de route. Puis ici aussi, à Québec, quand je fais des conférences grand public, là, premièrement, il y a toujours plus de gens qui se présentent. Puis, je me rends compte comment les gens sont en, dans une espèce d'évolution encore plus rapide. Puis, ils ont le goût de se nourrir de ces sujets-là. Là. Tu ils sais, sont ouverts, sont prêts à recevoir. Sont, ils apprécient, ils sont dans la gratitude. Puis, on fait une petite chose, puis ils disent, oh, on en veut plus, on en veut encore. Là, là j'ai parti d'une association qui s'appelle les bontés divines, où mmh. on se rencontre une fois par mois, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour, pour voir le beau, apprécier le bon et faire le bien dans la vie. Puis, je voulais recréer un semblant de messe, mais euh, au goût du jour. Plus C'est dans la spiritualité désincarnée, en fait, au-delà au de toutes les religions. Il n'y a rien de religieux là-dedans, mais il y a une spiritualité qui est bien avouée. Puis, je me rends compte à quel point les, les messages que je reçois suite à ça, les gens me disent, oh, que ça me fait du bien, juste d'être là aussi. Il y a une autre chose, c'est d'être en présence de gens qui ont cette ouverture. Déjà, on ressent une énergie qui nous fait du bien. Puis ça nous nourrit. Hein? Oui, oui. C'est bizarre parce que tu dis... Euh, comme toi et moi, là, on ne se connaît pas. Puis hier, on avait un souper de filles ici. Avec... On était des filles qui ne se connaissent presque pas, mais on, a... on, est... on travaille dans le même domaine. Puis là, on se retrouve ensemble. Moi, je... hier soir, je me suis couchée. Là, je me disais Oh, merci, mon Dieu. Je me sens tellement bien et je me sens choyée par la vie. Là. Mmh. Mais on sent que tu as cette envie de, de collaborer, de co-créer. Hein? Ah oui, vraiment. De plus en plus. C'était pas comme ça avant, parce que, euh, premièrement, souvent, on m'empêchait de le faire dans le cadre dans lequel j'étais. On me disait, ben non, mais là, tu peux pas amener quelqu'un d'autre, tu peux pas. Là, de plus en plus, c'est moi qui, qui run ma business, comme on dit, et j'ai décidé que moi, je n'allais pas travailler toute seule, c'est pas vrai. Bon, justement, on est plein, là, qu'on est en train de faire toutes sortes de choses, pourquoi pas mettre nos efforts en commun, puis faire ça à plus grande échelle, parce que moi, j'ai fait de la télé, puis c'est un peu bizarre parce que j'aime pas le côté. Ce que j'aime pas de la télé, c'est tout le côté star system. De, 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 de la, la personne devient comme une vedette, puis ça, ça c'est pas ça. Moi, je veux qu'il y ait le plus de gens qui s'ouvrent puis qui soient inspirés. Mais c'est pas par rapport à moi. Puis c'est pour ça que je me dis que c'est important d'être plusieurs là-dedans puis d'aller ouvrir à plus grande échelle. Et puis c'est chaque personne qui se présente aux événements qui est, qui est la star de sa propre vie aussi. Là. Mm. Mm. Tu fais des conférences, tu voyages le monde, tu viens régulièrement à Paris, un, trois, quatre fois par an. Euh, Qu'est-ce qui te manquerait pour combler ton bonheur ah, Je sais. Que... Ah, mes délicieux co-créateurs, Christine est célibataire. Alors, mes délicieux co-créateurs dans le monde entier, si vous flashez sur Christine, n'hésitez pas. C'est une femme un cœur à qui apprendre. On croirait qu'il va apparaître une bande dans le bas de l'écran là. sais, appelé à ce numéro hein? Elle est disponible pour vous. Non. <laughs> Non, mais oui, effectivement. Je suis désolée, j'ai pas pu réussir. Mais je, je, ça me surprend pas. Je te connais pas beaucoup, mais je suis pas surprise du tout que as fait ça. D'ailleurs, elle est en train de m'encourager à faire un défi des 100 jours avec ça. Mais c'est sûr que ton histoire de défi des 100 jours, ça, les amis, on va amener ça au Québec, c'est clair. Euh, puis oui, probablement, C'est oui. ça, là. Je suis en train de, je vais trouver ma date. Probablement que Geneviève Young, parce qu'on fait un événement ensemble, puis on se fera un, peut-être qu'on va lancer notre défi en même temps. Elle a pas le même défi que moi, là. Je vais interviewer aussi. Vous allez rencontrer Geneviève lors d'une prochaine interview. Et puis, vous allez découvrir mon interview aussi. Christine m'a interviewé. Oui. On va pouvoir, tu vas pouvoir la reprendre, j'imagine, cette oui. entrevue-là? Ben, J'espère. Elle ne sera pas sur Internet? Oh oui, elle va être sur notre site Internet, effectivement, de l'émission. Tout à fait. Effectivement. Dans, dans un mois, un mois et demi. Oui, hein? ben, de toute façon, je l'ai dit en ondes qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Je t'ai demandé officiellement si tu voulais être l'ami de cette émission-là oui. parce qu'on va te suivre un peu plus. Puis on pourra de temps en temps peut-être même te parler. Puis toi, tu pourras reprendre peut-être des choses qu'on fait aussi puis les utiliser à ta façon. Puis on va co-créer oui. ensemble. Ça fait du bien. Merci d'incarner ça parce que ça fait vraiment du bien de ressentir ça entre femmes, de femme à femme aussi. Euh, merci de donner l'exemple, le, le ton. <laughs> plein plein de gros bisous mes co-créateurs et merci Christine. Merci, merci infiniment. Écoute, je suis tellement contente de t'avoir rencontrée, que tu sois ici qu'on fasse ça ensemble. Je trouve ça, c'est magique. C'est la divine magie de la vie qui opère. Ouais. Hein? Merci. À la magie. <laughs> plein plein de gros bisous, au revoir. <laughs>